tu étais promis dans les prophéties pour sauver mon âme et ôter mes soucis. Tu as donné ta vie par ton sacrifice. Tu me rends libre, tu m'as purifié de tous mes péchés et je suis affranchi, méprisé, rejeté, renié des hommes, couronné, frappé. Ton sang a coulé, tu as subi. C'est ta grâce qui a payé le prix. Crucifié, attaché, cloué sur le bois, tu as porté mes péchés et payé pour moi. Tu es la vie, Dieu en toi je me confie. À la troisième heure, tu t'es relevé vainqueur sur la mort. L'amour a triomphé, tu es ressuscité, méprisé, rejeté, renié des hommes, couronné, frappé. Ton sang a coulé, tu as subi. C'est ta grâce qui a payé le prix. Crucifié, attaché, cloué sur le bois, tu as porté mes péchés et payé pour moi. Tu es la vie, Dieu en toi je me confie. La croix témoigne de ton amour et m'a révélé ta bonté. Jésus, oh, reçois ma vie, mon cœur en retour, car tout est accompli par ton sang. Jésus, crucifié, attaché, cloué sur le bois, tu as porté mes péchés et payé pour moi. Tu es la vie, Dieu en toi je me confie. Tu es la vie, Dieu en toi je me confie. Merci Mickaël pour cette belle chanson que tu as composée, on va en parler juste après, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors oui, je m'appelle Mickaël, j'ai 25 ans, je viens de l'église de Metz et du coup je suis étudiant en droit aussi. Et comment tu t'es retrouvé ici ? Là on est au Festival Mi-Team, on fait un partenariat avec le Festival Mi-Team, mais comment tu te retrouves là ? Alors Mi-Team a lancé un concours au niveau du chant cette année. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir finir premier. Ouais. Et un des lots, du coup, pour récompenser les gagnants, c'était d'enregistrer une émission avec le Top Chrétien. Donc voilà. Super. Eh bien, on est très content de t'avoir en tout cas. Félicitations, en fait, merci, pour avoir gagné. Donc, tu as participé, tu as fait une scène hier soir. C'est ça. Pour le festival. Tu en refais une ce soir, peut-être ? J'en ferai une ce soir, oui. Super. Et ça va ? C'était ta première scène, peut-être, en tant qu'artiste, ou c'est comment ? Alors oui, c'était ma première scène. C'était impressionnant, mais ça va. J'ai vraiment bien apprécié. Ok. Tu composes depuis longtemps ? Alors non du tout. En fait, j'ai commencé par faire de la batterie. D'accord. Je me suis mis à la guitare il y a 2-3 ans. Et j'ai senti vraiment dans mon cœur que Dieu m'appelait aussi à écrire des compositions. Du coup, là, je me lance simplement. Et c'est la première composition. Voilà, je viens de l'écrire. Donc, c'est le début.
D'accord, c'est donc là, c'est ta première compo, quoi. Ouais, c'est ça. Ta seule compo, du coup. C'est ma seule compo. Ok, super, excellent. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette compo? Comment tu l'as écrite? D'où vient l'inspiration? Qu'est-ce que tu voulais transmettre vraiment au travers de ce chant? En première compo, je me suis dit qu'il fallait aller vraiment à l'essentiel et à le plus important. Et finalement, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Donc j'ai vraiment relu les passages dans Matthieu, dans Marc, Luc et Jean. Et j'ai essayé vraiment de m'imprégner de ce que le Seigneur avait pu subir pour nous. Et du coup, c'est ce qui est dans le refrain, c'est les paroles qui sont dans le refrain. Méprisé, rejeté, renié des hommes. Il a vraiment tout souffert pour que nous puissions avoir la vie. Et à la fin, en fait, je voulais vraiment que ça puisse être comme une déclaration. Reçois mon cœur, ma vie en retour. Et du coup, voilà, l'inspiration principale, c'est la croix. Et j'ai essayé de construire des paroles autour en lui donnant toute ma vie au final. Alors pour quelqu'un qui compose pour la première fois, est-ce que c'était un exercice difficile? Comment tu as trouvé le processus de composition? Alors au début en fait c'est les accords qui me sont venus, j'avais la base, le couplet, le refrain et le pont n'était pas encore totalement déterminé. Du coup, quand tu dis le couplet, le refrain, avec les paroles ou seulement la mélodie? Non, juste la mélodie en d'accord, fait, juste les accords. Un air qui était là. Voilà, un petit air, voilà. Et au final après en relisant la Bible, en essayant vraiment de réfléchir aux paroles qui pouvaient coller à ce morceau, les paroles sont venues. On l'a composé à deux du coup avec ma chérie, elle était dessus aussi. Et du coup, on a cette composition qui sort à la fin. Et quelles sont tes influences en termes de composition pour la louange? Alors, j'aime beaucoup ce que fait Matt Marvin en ce moment. Je m'inspire aussi de Dan Mitten, forcément, d'Impact, des grands chanteurs francophones au niveau de la louange. Ok, super. J'ai vu que tu as sorti un clip de cette chanson justement récemment, qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. On vous mettra bien sûr le lien dans la description. Est-ce que c'est un chant que tu aurais envie qu'il soit repris dans les églises? Oui, pourquoi pas. C'est un chant d'assemblée, c'est un chant... C'est un chant qui peut être apporté justement, oui, dans l'église, dans l'assemblée. Ouais. Ok, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à apprendre ce chant, à le reprendre dans votre église. Merci Mickaël pour ta composition. Encore félicitations pour avoir gagné le concours Meet God Talent. On vous invite l'année prochaine à participer à ce concours et qui sait, peut-être que ce sera vous qui serez à la place de Mickaël pour tourner une émission du Nouveau dans l'air. À bientôt. Rejeté, renié des hommes, couronné, frappé, ton sang a coulé, tu as subi, c'est ta grâce qui a payé le prix.